Hello à tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo achat du mois. Donc je vais vous présenter dans cette vidéo mes achats du mois d'août. Ce fut un mois, comment dire, assez meurtrier pour ma carte de crédit. Vous allez voir que j'ai pas dépensé beaucoup en cosmétiques mais en fringues. Donc principalement des fringues pour l'automne-hiver quand même. Et voilà, vous allez voir ça. Alors je vais commencer par vous montrer ce que j'ai pris en cosmétique parce qu'il n'y a pas grand chose, donc ce ne sera pas le plus gros de la vidéo. Donc tout d'abord je me suis acheté mon mascara, le Smoky Lash, mais en version aqua, donc qui résiste à l'eau en fait, qui est waterproof. Alors ce que j'en pense, bah écoutez, il est pas mal, hein, je le trouve vraiment vraiment bien. J'ai une petite préférence quand même pour celui qui n'est pas waterproof. Mais bon, voilà, il s'équivaut quand même, mais voilà, j'ai une petite préférence pour l'autre. Alors pour aller avec, pouvoir démaquiller mon mascara, j'ai dû m'acheter donc le super démaquillant pour les yeux waterproof de chez Sephora. Donc celui qui est biphasé. Voilà, quelconque. Enfin, c'est un démaquillant normal. C'est vrai qu'il démaquille assez bien. Il sent pas très bon. Enfin, il n'y a rien de. Voilà, il a rien d'extraordinaire. Il m'aide juste à enlever mon mascara, point barre. Voilà. Ensuite, je me suis pris donc la fameuse solution micellaire donc de Bioderma, la H2O. Voilà, je l'ai utilisé quelques fois. Bon, j'étais pas énormément maquillée non plus quand je l'ai utilisé, mais en tous les cas, le peu que j'ai utilisé, j'en suis satisfaite. J'adore la sensation de fraîcheur que ça procure. J'adore quand on le met sur le coton, voilà, il est tout de suite imbibé, donc j'aime beaucoup. Et voilà, je vous en dirai plus un peu plus tard, mais en tous les cas, j'aime vraiment le démaquillage. Je trouve qu'il est assez facile avec cette eau micellaire. Alors, pour la petite anecdote, donc je l'ai acheté en parapharmacie et la vendeuse, je lui racontais mes petits problèmes et tout. Elle me dit, mais vous faites pas des vidéos sur YouTube? Ah oui. Donc c'était, voilà, c'était drôle. Elle, voilà, très gentille. Donc je lui fais un coucou si elle me regarde. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Alors je me suis pris la base, la Urban Decay, la Primer Potion, mais en couleur Sin. Donc en fait, c'est une couleur très irisée, comme ça. Donc en fait ça fait une base très irisée et un petit peu colorée pour mettre sous les fards, accentuer peut-être tous les marrons, les cuivrés, les dorés. Enfin moi je le mets même sous ce maquillage, donc c'est ce que j'ai mis aussi. Et je trouve que ça donne un effet très sympathique et donc je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Et vraiment très pratique avec ce nouvel étui, c'est vraiment beaucoup plus pratique qu'avec l'ancien qu'ils avaient, vraiment donc très très bien. Ensuite, je me suis pris un rouge à lèvres chez MAC, donc le Hot Tahiti. Donc, c'est celui-ci. Donc, je vous le montre. Il est vraiment très très joli. Donc, vous verrez le porter certainement dans une prochaine vidéo. Je me suis pris l'huile de Nuxe. L'huile prodigieuse, la fameuse huile prodigieuse, soin multifonction, huile sèche, multi-usage, effet lumière aux 6 huiles précieuses et vitamine E. C'est juste une merveille. Donc visage, corps, cheveux, elle fait tout et la preuve, voilà ce qui reste. Ça fait juste 2 semaines même pas que je l'ai. Ça se vide hyper vite. Donc moi j'en mets sur tout le corps, hein, visage, corps, bon j'en ai vraiment sur les cheveux, j'en ai mis très très peu. Mais c'est juste une merveille. Enfin, moi qui adore briller, qui adore avoir des paillettes sur le corps et tout. Oh, c'est somptueux. Au soleil, il y a des petits reflets. Magnifique. Alors, je regrette une chose, évidemment, c'est d'avoir pris la petite bouteille. Et en plus, je n'avais pas ouvert du tout le capuchon et c'est pas du tout pratique. Donc, ils vendent la plus grande et avec un pchit, quoi. Donc, ce qui est beaucoup plus, ce qui est beaucoup plus facile à utiliser. Donc voilà, donc je vais la reprendre obligatoirement pour le mois prochain. Vous la reverrez certainement dans ma prochaine vidéo parce que c'est juste un bonheur. Je me demande si pour l'hiver je vais quand même prendre les paillettes, mais j'ai bien envie de prendre les paillettes quand même. Acheter les deux, ça revient à cher, hein, parce que c'est pas donné, hein, ces huiles quand même. Rien que la petite, c'était 25 €, je crois. Donc moi je voulais prendre celle-ci pour essayer avant de prendre la grande, mais en fin de compte j'aurais dû prendre la grande directement. On avait dit tellement de bien, je me suis dit bon... Je vais quand même tester par moi-même, mais en fin de compte, elle est géniale.
Elle est vraiment géniale cette huile, j'adore, ça hydrate, je trouve que ça garde le bronzage, enfin, vraiment je trouve qu'elle est magnifique cette huile. Alors on va passer aux accessoires, donc c'est pareil, j'ai pas acheté énormément de choses, j'ai acheté qu'une seule paire de boucles d'oreilles, c'est celle-ci. Donc que j'ai pris dans le magasin Bershka à Lausanne. Donc très sympathique, je trouve que ça relève un petit peu le teint et voilà, elles sont vraiment très jolies. Elles sont pas très lourdes, elles sont agréables à porter. Donc voilà, j'ai pas payé très cher, c'était dans les 7 francs, donc 5 euros par là. Donc voilà, je l'ai trouvé mimi comme tout. Donc j'en ai terminé avec ça. Donc on va passer aux vêtements. Alors, c'est par les robes. Donc j'en ai pris deux. Alors j'ai pris celle-ci. Donc que j'avais pris en solde chez Zara. Donc c'était au tout début du mois d'août. Donc bleu. Je trouve que c'était une couleur qui change et en fait quand on est bronzé, je trouve que ça fait super joli. Voilà, je trouve que quand on est bronzé, c'est très joli. Et en fait, il y a des petites poches juste ici, sur le devant. Donc voilà, je la trouve... Je la trouvais sympa, donc avec ma paire de tongs, je trouvais que ça faisait joli. Ça fait à la fois plage, mais quand même habillée pour aller à la piscine ou à la plage. Donc... Voilà, celle-ci. Je me suis pris une robe chez IKKS, donc ça faisait partie de la nouvelle collection. C'est la marque ICODE, pardon. Alors, voilà, comme ça. Alors, voilà ce que ça donne. Et en fait, pour l'hiver, avec un legging noir et puis une veste en cuir noir, pourquoi pas par-dessus, ça pourrait faire assez sympa. Donc voilà, je peux la mettre à la fois maintenant et un petit peu plus tard aussi. Donc voilà, je la trouve vraiment magnifique. Voilà, et la dentelle noire avec les bretelles en satin noir, je trouve ça somptueux. Je me suis pris un pull chez Love. Donc comme ça c'est le dos. Et devant, assez simple. Donc en fait, il a des petits trous comme ça, des... dans le pull, des petits effets. Et avec les moins 80%, c'était très 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 intéressant. J'ai dû le payer voilà, 25 euros, quelque chose comme ça. Donc voilà, super affaire. Ensuite, je me suis pris également chez Love. Donc ça, ce sera pour vraiment pour l'automne. Hein. Un autre petit pull kaki. Donc j'adore le kaki. Et en fait, il y a juste des effets sur les manches beige comme ça. Ici. Voilà. Il est assez simple, mais une matière un petit peu transparente. Vraiment très, très chic, très beau. Alors, toujours chez Love, donc je vous avais déjà montré, je le portais dans mon ancienne vidéo, ce petit pull dans les bleus. Donc, c'est une couleur qui n'est pas évidente à voir à la caméra. Hein. Je me suis rendu compte. Et donc il est rapiécé au niveau des manches. Voilà, au niveau des épaulettes, on peut voir il a des petits strass. Et puis le détail sur l'arrière en fait avec un dessin magnifique sur l'arrière. Voilà. Encore chez Love, oui je sais, j'ai fait pas mal de dépenses chez Love parce que voilà, avec les soldes, moi j'achète pas forcément pendant l'année parce que c'est des prix assez chers. Mais pendant les soldes, je trouve que c'est vraiment accessible par rapport au prix de base. Donc j'essaye d'en profiter à ce moment-là. Alors ensuite, je me suis pris un petit gilet comme ça. Et donc en fait, dedans, il a des effets un peu brillants. Derrière, il est noué comme ça derrière. Donc ça peut paraître bizarre, mais bon, moi j'aime bien le style avec la capuche. Je trouve qu'il est très très mignon. Voilà, on peut le laisser ouvert comme ça. Donc derrière. Et voilà, avec la capuche, je trouve ça super mignon. Donc voilà, pour l'automne. Sympa comme tout, avec un petit pull dessous. Je trouve que c'est très joli. En plus, il est bien cintré, je le trouve vraiment bien fait. La longueur, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà. Voilà, donc il existait aussi en plusieurs couleurs, donc j'ai longuement hésité, il y avait également en taupe. Mais bon, bleu ça change un petit peu, donc j'ai pris bleu.
Ensuite, Love, qu'est-ce que j'ai pris chez Love? J'ai pris ça. Une étole. Donc je l'ai également en bleu celle-ci. Et là, je l'ai acheté en rose pâle parce que je trouvais vraiment que c'était très très joli. Alors, je vous montre ça. Évidemment, on peut la mettre comme on veut, mais moi j'aime bien la porter. Voilà, je trouve que ça fait sympa avec une petite veste en jean. Ah, une étoile rose pâle que j'ai payée 10 francs suisses, donc avec les soldes pareil, moins 80%, donc génial. Alors comme ça, il y a des boutons un petit peu partout là. Bon, je vais vous montrer porter ce que ça donne, parce que je trouve qu'on voit moins bien quand on voit la caméra que porter en fait. Hop. Donc j'aimais bien en fait tous les boutons un petit peu partout, les gros boutons comme ça. Donc on peut la laisser ouverte, fermer juste un bouton. Voilà, et derrière pareil, un petit bouton en rappel derrière. Voilà, je la trouve assez jolie, puis assez originale pour le coup. Pour une veste en laine assez, assez classique, je trouve qu'ils l'ont bien. Ils l'ont vraiment bien faite. On va passer à Bershka. Alors, Bershka, donc c'est la nouvelle boutique qui a ouvert à Lausanne. Je trouve qu'ils font des trucs magnifiques. Bon, déjà, j'en avais déjà eu un petit aperçu à Lyon, parce qu'il y a une énorme boutique à Lyon, magnifique. Et bah, j'avais hâte qu'il ouvre à Lausanne en fin de compte, et puis maintenant qu'il y est, bah, c'est une catastrophe pour le porte-monnaie, donc voilà. Alors pour commencer, j'ai pris un petit top, donc assez sport, mais ma foi avec un jean, je trouve que c'est très joli. Voilà. Donc en plus c'est des prix qui sont assez, assez raisonnables, assez accessibles à tout le monde. Après bah, c'est sûr, plus vous prenez de pièces, plus voilà, plus c'est cher, mais voilà, si vous prenez un ou deux trucs, je trouve que c'est ça reste raisonnable. Je me suis pris un pantalon. Alors ce que j'aime bien avec leurs pantalons chez Bershka, c'est que pour celles qui aiment les pantalons taille basse, pour le coup c'est très taille basse hein, mais je trouve qu'il taille super bien, donc voilà, on peut voir qu'il est relativement taille basse. Et il y a un petit nœud ici, donc qui rappelle la couture. Et donc il est voilà, il est assez serré en bas. Bon, je ne l'ai pas repassé parce qu'il vient, il sort de la machine. Et derrière, des poches derrière comme ça. Et il est vraiment magnifique. J'aime vraiment beaucoup ce pantalon. Donc il existait en plusieurs couleurs, bleu marine, noir ou couleur flash même je crois. Enfin vraiment, vous pouvez trouver votre bonheur chez Bershka. Je pense qu'il y en a, à peu près pour tous les goûts. Alors chez Bershka également, j'ai enfin trouvé ma veste en jean. Depuis le temps que j'en cherchais une en vrai jean hein. Et bah, c'est pas évident à trouver parce que c'est souvent pendant l'été, donc là je me suis dit bon bah c'est foutu, je trouverai plus. Et en fin de compte chez BHK ils en avaient encore tout plein, en plus il y en avait vraiment beaucoup, et en plus elles sont super bien taillées, donc voilà. Donc elle paraît assez simple comme ça, mais quand on la met je trouve pas, et puis elle est assez courte. On peut redresser un petit peu les manches. Voilà. Aïe. Donc elle est assez sympa. Après, ce qui me gêne un tout petit peu, c'est au niveau du col, je le trouve un petit peu mou. Voilà, on ne fait pas ce qu'on veut avec le col, mais voilà, elle est quand même relativement jolie. Pour le prix en plus, donc chez Bershka, c'est pas excessivement cher. Donc j'ai dû la payer, je crois qu'elle est 39 francs, donc voilà, 25 euros, 25 ou 30 euros peut-être. Je me suis pris deux autres vestes chez Bershka, pas le même jour hein, parce que c'était une semaine après, mais quand même. Donc je me suis pris une veste en cuir noir parce que depuis longtemps que j'en cherchais une qui soit taillée vraiment correctement, et c'est pas évident à trouver une veste en cuir vraiment qui vous va bien. Et celle-ci je trouvais qu'elle m'allait assez bien, donc voilà, j'ai pas hésité. Voilà, donc une petite veste en cuir noir. Et j'en avais pas. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure avec cette robe par exemple. Ça pourrait faire très très sympa.
avec la dentelle noire qui va ressortir, je trouve que ça pourrait être un style très joli pour l'automne avec un legging noir ou taupe, enfin, à voir. Voilà, je la trouve assez jolie. Et puis le col rond comme ça, c'est joli aussi, quoi. Donc on peut aussi... Voilà, la porte est fermée. Des jolies poches, là. Voilà. Allez, une autre veste. Celle-ci, c'est pas du vrai cuir. Mais j'adorais la couleur qui est pas du tout commune. C'est vraiment une couleur qu'on voit pas partout. Et puis toujours, quoi. Toujours ces vestes très, très cintrées, très bien taillées que font Bershka, et ça j'aime beaucoup. Voilà. Donc celle-ci a des petites épaulettes, les zips sous les bras, enfin voilà, il y a vraiment dans le détail que j'aime beaucoup, moi. Et le col aussi qui change, voilà, les zippés jusqu'en haut. Ce sera deux pantalons, donc je vous avais déjà montré celui-ci également, c'était un pantalon de chez Zara, donc un pantalon gris assez simple que j'ai eu en solde, pantalon jean un petit peu, que j'ai eu en solde également, que j'ai pas payé très cher, et en fin de compte il est vraiment très joli, donc je regrette pas du tout. Et je me suis pris un pantacourt parce qu'en fait celui-ci je l'avais déjà acheté en blanc, donc c'est les basiques de chez Zara, j'avais déjà acheté en blanc et je le trouve super bien taillé et tout, et bizarrement j'ai pris la même taille, le même modèle en bleu marine. Et il est un petit peu grand, donc je trouve que c'est un petit peu dommage. Il ne taille pas pareil, donc c'est bizarre. Cette veste que vous avez vue dans ma dernière vidéo. Voilà. Donc celle-ci, ça fait partie de mes achats du mois aussi. Donc très jolie. Et je me suis trouvé un manteau donc chez Zara. Voilà, dans la nouvelle collection qu'ils viennent de mettre. Donc il ressemble un petit peu quand même à celui que j'avais... donc c'est pas la dernière, c'est il y a 2 ans que j'avais acheté il y a 2 ans, mais comme je l'adorais ce manteau, bon je vais le mettre encore parce qu'il me va encore, mais comme je l'adorais, je suis bien contente de l'avoir retrouvé pratiquement le même avec des détails quand même qui diffèrent, principalement au niveau des boutons qui sont couleur or. Alors je vous montre porter ce que ça donne. Voilà, donc c'est un manteau style officier. Donc voilà, très, très cintré, enfin très, très joli. Voilà, au niveau des épaules. Donc fermé aussi, très sympa. Voilà, donc ce que ça donne, donc moi je le trouve vraiment très très beau, donc il fait partie de la nouvelle collection, donc il doit être encore sur le site et il doit être disponible si jamais ça vous dit. Voilà, pour en ce qui concerne les vêtements, donc je me suis pris 2 paires de chaussures, dont une paire que vous avez déjà vue, il s'agit de la paire que j'ai achetée chez Love, celle-ci. Voilà, donc ces chaussures que vous avez vues et que j'adore, que je trouve magnifiques. Celle-ci. Et je me suis pris une paire en solde de chez Zara. Mais j'ai pas eu l'occasion de les mettre encore. Donc en espérant qu'on ait du beau temps qui revienne. Alors, je vais mettre comme il faut, que vous puissiez voir. Voilà. Donc assez haute, mais très confortable. Vraiment très très confortable. Voilà, donc c'est une paire que j'ai pris chez Zara en solde pour 20 €, je crois. Donc un talon assez large. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé avec mes achats. Donc voilà, là, je ne vous ai pas menti, la carte bleue a juste fumé un truc de fou. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Et puis le mois prochain, on va essayer d'être un petit peu plus raisonnable. Je dis bien, on va essayer. Je promets rien, mais je vais essayer. Voilà, mais écoutez, je vous laisse. Je vous fais des bisous. À très vite. Bye.